Good morning, allez Yiden. L'étude sera aujourd'hui le Refouat Rav Yosef Chaim ben Emma Simcha. Nous étudions Baba Metzia, Perek, Gimel, Mishnah Bet. Asocher para mechavero veish ila leacher. Umeta kedarka, Ishava asocher shemeta kedarka. Veashoel, Yeshalem la socher. Ama Rabbi Yossi, Keitzad ala ose schora beparato shel chavero, Ela tachzor para la bealim. Voilà une nouvelle occasion d'introduire d'autres notions des lois des Shomrim. On va parler à présent du Socher, Shomer Sachar et Shoel. C'est bien parce que ça arrive de manière diluée, au lieu de vous faire tomber tout comme une massue, chaque loi de chacun. Hier on a parlé du Shomer Chinam qui était Patour, Begneva, Vaveda. Maintenant on va parler du Shomer Sachar et du Shoel. On va déjà faire entrer une nouvelle différence, toujours de manière un petit peu détournée, parce que la Mishnah va mettre son intérêt sur un autre point. On introduit d'abord les halakhot. Le Shomer Sachar, donc, c'est quelqu'un que l'on paye pour surveiller. De ce fait, il est plus impliqué dans la surveillance de l'objet. Et il sera chayav cette fois-ci sur Gneva Vaveda. Si l'animal ou l'objet se fait voler, ou bien s'il disparaît, il aura un devoir de rembourser. Parce qu'il a failli à son devoir. Étant donné que je te paye pour surveiller, tu dois mieux surveiller. De ce fait, ce n'est pas une réponse de dire qu'il y a eu un voleur qui est venu par la fenêtre. Ce n'est pas censé venir, tu dois rester à côté de l'animal et le surveiller, qu'il n'y ait pas de voleur. C'est l'idée. Bien sûr, j'explique ça un petit peu grossièrement, mais en tout cas, c'est le principe. Puisque tu es payé pour surveiller, tu dois mieux surveiller. Maintenant, dans notre Mishnah, on ne va pas parler du Shomer Sachar, on va parler du Socher. Un locataire, quelqu'un qui va louer un animal. Et c'est discuté dans la Gemara, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus tard. Mais malgré tout, la halakha elle est fixée, on va expliquer la Mishnah de cette manière, ce sera plus facile. Le socher a le même statut, le socher c'est quelqu'un qui loue l'animal. À la différence, regardez, il y a une différence essentielle. C'est que lorsque je vais louer votre animal, je ne vais pas maintenant devenir gardien de l'animal. Je reçois l'animal, vous recevez en contrepartie un salaire, un loyer, et maintenant donc l'animal il est mis à ma disposition pour que je l'utilise, pour que j'en tire profit. Il y a de ce fait une discussion dans la Gemara, dans la Mishnayot, plus loin. Pour le moment, on va retenir que le locataire a le même statut qu'un Shomer Sachar, a le même statut qu'un gardien qui reçoit un salaire. Étant donné que l'objet ne se retrouve pas, se retrouve chez lui avec un intérêt, c'est comme si il recevait une valeur monétaire, donc en tirer profit. De ce fait, il est impliqué, il doit surveiller l'animal et il est chayav comme un Shomer Sachar. Donc concrètement, on retire maintenant, un locataire sera chayav be gneva vaaveda. Si je loue une voiture et je me la fais voler, je la garde dans la rue et je me la fais voler, alors je suis chayav be gneva vaaveda. Je devrais rembourser cette voiture au propriétaire. Parce qu'elle a été volée. Gneva, c'est celui qui vole en cachette. D'accord? Par contre, Béonès, je me fais braquer. Et on me dit de sortir haut les mains et de tout laisser. Donc je sors, j'ai pas de mitzvah, de Messirut Nefesh dans la Torah. C'est sur certaines mitzvot uniquement. Avodazara, Geloya, Rayot, Shfichut Damim, mais sûrement pas sur sauver l'argent du voisin. De ce fait, je lève les bras, je sors tranquillement de la voiture. Et donc voilà, je me suis fait voler cette manière. Cette fois-ci, c'est plus une gneva, donc de manière cachée par derrière. Mais franchement, je me la suis fait dépouiller. Ça s'appelle Ones. Et dans ce cas-là, le Shomer Sachar est patour, il est dispensé. Idem encore, si c'est un animal et qui claque d'un coup, crise cardiaque, il meurt. Je ne dois rien au propriétaire parce que ça s'appelle Ones. D'accord ? C'était un imprévu, je ne pouvais rien faire contre, c'est une situation qui s'abat malgré moi, contre moi, donc je ne pouvais rien faire d'autre. Et donc, Socher ou bien Shomer Sachar, tous les deux sont dispensés dans les cas de Ones, d'accord? À la différence du Shoel, celui qui emprunte. Celui qui emprunte, alors là, à la différence, il est que le propriétaire met à disposition son animal, il vous le prête, sans attendre de vous aucun retour. Puisque vous profitez beaucoup de lui, alors en retour, la Torah a imposé un niveau de surveillance encore plus grand, et vous serez chayav même dans les cas de Ones, même si l'animal meurt, sans
avec pas un imprévu, vraiment, c'était rien, on ne sait pas comment c'est arrivé, un missile qui lui tombe dessus. Ouais, quelque chose de phénoménal, une comète qui lui tombe dessus. Malgré tout, vous serez khaya, vous devrez le payer. Il y a un seul cas de dispense, on ne va pas en parler tout de suite. C'est tout, on s'arrête là pour le moment. Donc pour l'instant, on se retrouve avec une situation où le socher, donc celui qui loue un animal, et que finalement cet animal se fait, meurt de manière naturelle, le socher, donc celui qui loue le locataire, ne devra pas rembourser l'animal au propriétaire. Par contre, s'il est shoel, s'il emprunte l'animal et que l'animal meurt, donc crise cardiaque, il devra rembourser l'animal à son propriétaire. Ça, c'est l'introduction avant d'arriver à la Mishnah. Un deuxième point d'introduction nécessaire avant d'expliquer la Mishnah, c'est est-ce qu'un gardien a le droit de donner le dépôt qu'il garde à une autre personne à garder? Vous me confiez votre animal à surveiller, et moi je dois partir, et je trouve une autre personne de confiance, quelqu'un d'honnête, et je lui dis, garde l'animal qui appartient à Reuven. Est-ce qu'en soi-même, chomer chez Massar le chomer, est-ce qu'un chomer a le droit de transmettre à un autre chomer? C'est une discussion dans la Gemara, il y a une grande marloquette. La halakha est tranchée que chomer chez Massar le chomer, chayav. Vous me faites confiance à moi, lui, vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas voulu le mêler dans vos affaires. Il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, à quel rythme vous vivez. Vous m'avez fait confiance à moi, lui, vous ne le connaissez pas. Si moi, j'ai donné à lui à garder, et que finalement, il y a eu un accident, je devrais quand même vous rembourser. Je ne suis pas en train... C'est-à-dire, j'ai finalement failli à ma garde, je ne suis plus en train de surveiller votre animal, puisque je l'ai donné à une personne que vous ne voulez pas avoir de contact avec lui. D'accord ? Donc, chômeur, 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 chômeur. Maintenant, on va commencer à mélanger les deux notions en même temps. Bon, excusez-moi, un autre petit détail. Si toutefois, si vous acceptez que je transmette, que je donne cet animal à qui je le veux, d'accord, à une personne de confiance, alors de nouveau, chômeur, 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 il sera pas tout. Je suis dispensé, j'ai transmis l'objet en dépôt à garder à une tierce personne avec votre accord. Ok ? Mais malgré. D'accord. Maintenant, on va revenir à notre Mishnah. Notre Mishnah va nous parler d'un cas original où donc, je vais illustrer ça comme ça. Je loue de vous votre animal. Et ensuite, avec votre accord, c'est-à-dire vous me dites, tu le loues, quand il est dans tes mains, tu fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Je récupère maintenant cet animal et finalement je décide de le prêter à mon ami, à mon voisin. Il avait besoin donc je l'ai loué pour 24 heures, et il a besoin de 2 heures de travail. Je lui dis vas-y, Bekef, prends-le. Et ce qui s'est passé, donc je suis avec votre accord, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ensuite, l'animal meurt de manière naturelle. Meta Kedarka, comme de manière habituelle, de fait imprévisible, du sang. C'est-à-dire de manière normale, il n'y a pas eu aucune pshia, on n'a pas failli à notre devoir, personne. Et l'animal meurt, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, par rapport à vous, en théorie, puisque je n'ai pas fauté, j'ai aucun tort en cette histoire, je vous dois rien, vous avez perdu votre animal. Malgré tout, la Torah m'a dit, jure quand même, histoire de vous faire plaisir, que vous entendiez de ma bouche que vraiment j'étais très loyal, et que ça arrivait malgré moi. Ça, c'est parce que je suis un chômeur Sahara. Le problème, il est que lui, c'est un Shoel. Lui, il a emprunté de moi. Et s'il a emprunté de moi, alors il doit me rendre un animal. Parce que le Shoel, quand il y a un incident se produit, le Shoel, celui qui emprunte, il doit malgré tout rembourser. C'est-à-dire, si on peut illustrer ça un peu plus, donner un petit peu plus d'épices, au moment où il prend l'animal, il s'engage à rapporter un animal. D'accord? Puisque c'est un cheval, il s'engage à rapporter un animal, même si l'animal meurt de manière naturelle, et même s'il meurt parce qu'il se fait voler, ou bien s'il se fait... peu importe, il s'est engagé à rapporter un animal. Donc lui, maintenant, quand il a pris l'animal, il s'est engagé à rapporter un animal. Mais moi, quand j'ai pris l'animal, je me suis engagé à rapporter un animal, sauf s'il meurt de façon naturelle. Donc là, on a un petit court-circuit original. Moi, j'ai emprunté de vous, et je vous dois plus rien. Et lui, il a emprunté de moi, et il me doit un animal. J'ai gagné une vache. Ça, c'est la vitra chamim, et on fait ça dans les mots. Asocher para mechavero. Celui qui loue un animal de son prochain.
Vish ila leacher. Et ensuite, il a prêté à une autre personne, une tierce personne. Et ensuite, ometa kedarka. Et l'animal meurt comme c'est. Comme ça arrive, d'accord ? Rien de. Aucune faute. Aucune. Irréprochable. Qu'est-ce qu'on fait ? Ishava socher shemeta kedarka. Moi, je vais vous jurer que l'animal est mort sans aucune faute, sans avoir manqué à mon devoir de le surveiller. J'ai fait aucune bêtise avec. Vehashoel, yeshalem la socher. Et celui qui a emprunté l'animal me remboursera un animal. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi, lui, il est cholek sur ça. Et il dit quoi ? Keitzad hala oses chora beparato shel chavero. Comment est-ce possible que celui-ci, moi-même, donc hala, celui-là, oses chora beparato shel chavero, ait réussi à se faire la caisse sur le compte de la vache de mon prochain ? Ela tarzo para la bealim. Puisque Ela, il faudra plutôt tarzor para la bealim, rendre la vache à son propriétaire. Rabbi aussi, lui, il a un avis original que finalement, c'est pas, je ne peux pas, moi, tout simplement, comme il le dit clairement, je ne peux pas me remplir les poches sur le compte d'une perte de quelqu'un d'autre. Il est vrai que notre engagement entre nous nous dit que s'il y a un incident, je ne vous dois plus rien parce que c'est malgré moi que ça va. C'est vrai, mais ça inclut quand même que si toutefois il y a un quelconque dividende qui va revenir de l'animal directement, alors ce dividende vous reviendra. Le Tosfot Yom Tov rapporte ici, au nom du Rosh, Keilu Ishilu Bishidruch Tamaskir. C'est un peu tacite entre nous, comme si on a été d'accord que si finalement, si finalement je toucherai un quelconque retour de ça, alors on considérera que c'est vous en fait qui avez prêté cet animal à cette tierce personne et donc vous toucherez vous-même ces dividendes. D'accord ? On a fini la Mishnah et on fait maintenant le Barthénora. Asocher para mechavero, celui qui loue une vache de son prochain. Ve'amad socher, et ensuite le socher s'est tenu. Ve'ishila le'acher birshut amaskir. Et il l'a prêté à quelqu'un d'autre, attention, birshut amaskir, avec l'accord du loueur. Chez Olonatanoa Maskir Rishut, parce qu'attention, si le propriétaire de l'animal ne m'a pas donné la permission de le louer, Akai Malan, Shomer Shemassar le Shomer Chayav. On tient pour la halacha qu'un gardien qui transmet un autre gardien surveillé, alors sans soi-même une faute du premier gardien. Et de ce fait, il devra de toute façon rembourser l'animal, parce qu'il a arrêté de le garder, tout simplement. Même s'il a nommé une tierce personne qui reste à côté de lui et qui surveille, qui n'est pas d'accident, malgré tout, du point de vue du propriétaire, on considère qu'il n'y a plus personne à côté de l'animal et plus personne qui le surveille, c'est une faute. D'accord ? Excusez-moi. Ishava socher la maskir, donc on avait vu. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on est selon l'avis de Tanakama. À partir du moment où l'animal s'est fait voler, donc on avait vu que le locataire jure. Ishava asocher, il devra jurer à qui ? Au maskir, à celui qui l'a loué, au loueur, au propriétaire de l'animal. Shemeta kedarka, qu'elle est morte de manière imprévisible, sans faute, de manière normale. D'accord ? Ou patour, et il sera donc dispensé. Shasocher patour mina onsin, car le locataire est patour et dispensé de rembourser l'animal dans des cas de onesse, des cas qu'il ne pouvait pas prévoir, qu'il ne pouvait pas y parer. Ve'ashoel shehu chayav be'onsim, tandis que l'emprunteur lui-même est chayav be'onsim, il est toujours chayav de rapporter un animal en toute situation. Et de ce fait, meshalem la socher, il devra payer au socher, au locataire, donc il devra rembourser bishvua shehu nishba la maskir, avec le serment qu'il jure au. D'accord. Phrase un petit peu pas claire, mais en tout cas c'est clair. Amar Rabbi aussi, Keitzad ala osesro rabbe parato. Donc on a vu que Rabbi aussi n'était pas d'accord avec cette halakha, c'est pas possible. Une histoire pareille qui se fait la caisse sur le compte de l'animal de son prochain, c'est vraiment la traduction. Keitzad ala osesro rabbe parato shel chavero. Comment est-ce possible que celui-ci se fait srora, il fait son business, beparato shel chavero, avec la vache qui appartient à son ami, d'accord ?
Et le partenaire de tranche, Ve'alacha ke Rabbi Yossi, et l'alacha est retenue comme Rabbi Yossi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Ah, une petite parenthèse au moment de la direction. On mentionne à chaque début de Mishnah qu'on dédicace une Mishnah pour la guérison de quelqu'un, ou l'Elo Nishmat de quelqu'un. C'est un service au public. Si toutefois vous voulez dédicacer une quelconque, un chiour de Mishnah, vous donnez vraiment ce que vous voulez aux 5 minutes éternelles et on se fera un plaisir de mentionner pour la réussite, pour l'aide, ou pour les Nishmat éventuellement, de qui vous voulez. Et puis voilà, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov, c'est là.